Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Frézou qui s'est confiée en larmes sur son couple. Comme vous le savez sans doute, la candidate de télé-réalité est en couple depuis plusieurs mois avec un homme prénommé Mehdi. Elle a toujours caché son identité, le surnommant fréquentation et cachant systématiquement son visage. Mais visiblement, Sarah souhaite franchir un cap. Plus amoureuse que jamais, elle se sent prête à le montrer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle va prochainement tourner une vidéo YouTube pour le présenter à toute sa communauté. En larmes, Sarah se confie à cœur ouvert. Elle est enfin heureuse en amour et cela la touche particulièrement après toutes les galères qu'elle a vécues. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Andrea, Isabelle et Le Solitaire qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Donc, discutons un peu. Je voulais vous dire quoi ? Personnellement, si j'ai un conseil à vous donner en couple, faites-vous des petits kiffs comme ça. Un, ça vous permet de vous retrouver. Deuxièmement, bah, ça fera toujours plaisir à votre conjointe et même à vous-même, vous qui êtes conjoint. Ou même, mesdames, faites un cadeau à votre chéri. Partez un peu, respirez. Moi, c'est mon chéri qui m'a offert cette petite nuit, franchement, sur une île un peu paradisiaque. C'est Zaya Nouraï. Je sais pas si vous connaissez Abu Dhabi, mais je pense qu'il y en a certains qui connaissent le côté où il y a les balançoires et tout. Nous, on n'est pas partis parce que vraiment, on a profité du côté archi posé, archi privé, archi calme. Franchement, on kiffe de ouf. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important, même après de longues années de relation, de toujours maintenir ce petit truc, ce petit piment. Moi, je suis quelqu'un qui adore les attentions, je pense comme toutes les femmes sur Terre. Donc vraiment, profitez, essayez de faire quelques petites surprises comme ça, c'est cool. Donc je pense que ce soir, on va faire une petite vidéo YouTube pour que je puisse vous présenter mon chéri. Parce que je vais pas vous mentir que j'en ai un peu marre de le cacher à chaque fois. Parce que ça me saoule et on a tellement de bons délires. J'ai tellement de vidéos sur mon téléphone que j'aimerais partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on peut réellement dire que je suis heureuse, vraiment. Et je vous dis ça avec plein d'émotions parce que... à ce niveau-là, j'ai tellement galéré. Allez, oh, c'est bon. Je suis trop émotionnelle, moi, en ce moment. Mais en fait, j'ai tellement galéré émotionnellement parlant que aujourd'hui, d'avoir ce couple qui est sain, avec des embrouilles très rares, plus de rigolade, plus de... Et incroyable. Donc voilà, je voulais vous partager un peu ça. Parce que aujourd'hui, je vis un réel bonheur. Et une personne qui est là pour vraiment me faire du bien. Donc... voilà, je voulais partager avec vous. Mais on a l'abri de rien, toujours, j'ai toujours cette crainte. Malheureusement, avec tous les faits du passé, c'est vrai que vous restez un peu traumatisé de vos relations. Mais les amis, c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, je pleure de joie, je pleure de bonheur parce que vraiment, je suis comblée. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment, j'ai une sensation juste incroyable. Mais j'ai que toujours ce traumatisme de mes anciennes relations qui se sont mal déroulées. Mais voilà, les filles, faut s'accrocher. Faut s'accrocher, c'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de mauvais dans votre vie une, deux, trois, quatre fois. C'est vrai que très souvent on me dit oh, va encore se marier. Oui, parce que je cherche réellement mon bonheur et aujourd'hui je pense l'avoir trouvé. Du moins j'espère. En tout cas, je suis très bien, je suis très heureuse et vraiment je savais pas que les relations sans embrouilles ça existait. Voilà, ou des embrouilles vraiment qui durent pas longtemps pour des trucs futiles. Donc les amis, je vous jure, kiffez votre vie. Essayez de trouver votre moitié. C'est vrai que vous allez faire des chutes, mais un jour vous allez y arriver. Voilà. Donc oui, ne perdez pas espoir. Quelqu'un de bien existe dans ce monde. Le monde est tellement grand. Je vous jure, c'était tellement... franchement, je pensais pas du tout me mettre avec Mehdi. Je pensais pas du tout me mettre avec lui parce que de base, j'avais pas du tout... on vous expliquera tout ça, mais... vraiment, ça vous tombe dessus quand vous y attendez le moins. Donc voilà, faites confiance à ce qui est écrit pour vous et votre mec tombe. Et ça arrivera un jour, même malgré toutes les chutes que vous pouvez imaginer dans votre vie. Relationnellement parlant, vous serez traumatisé, vous aurez peur de certaines choses. Mais mélangez pas tout, mélangez pas les personnes, ce ne sont pas les mêmes. Et Dieu merci qu'on est tous différents et qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà. Donc j'ai le cœur hyper apaisé et très heureuse si vous voulez savoir comment je vais aujourd'hui. Il était pas là quand je disais des belles choses sur lui.
quand même la gênance, genre. En plus, je vous jure, genre, je dis que je l'aime et tout, nan. Mais genre, comme je vous ai dit, par rapport à mes relations passées, bah maintenant, j'ai archi du mal, genre. J'ai archi du mal. Il me dit toutes les 5 secondes, je t'aime, lui, mais des fois, je bloque et j'ai archi du mal. Et il me dit, je sais, je te le dis trop haut et tout. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, avec le temps, j'ai tellement fait la bouffonne, j'ai tellement dit je t'aime, j'ai tellement dit des belles paroles, t'es beau, t'es ça, t'es ci. Que maintenant, bah, à la fin, quand je me suis sentie. Bah, bref, vous connaissez toutes ces histoires. Et ben maintenant, genre, flemme, ou genre, honte, ou genre, j'ai même pas envie d'avouer que je suis in love, genre. Je vais être sincère avec vous. Je suis quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en YouTube. Je suis quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en montage. Et du coup, déjà pour tout ce que je filme sur ma vie privée, vous partagez mes moments en famille, ce qu'on va voir et tout, nos moments cool. Bon, en fait, je filme tout toute seule. Ou sinon mon chéri, ou sinon mon frère quand il est là, ou quelqu'un de ma famille, ou bref. Voilà, on se tourne un peu la caméra. C'est très compliqué pour nous. Dans le sens où. On sait pas faire les montages, tout ça, tout ça. Donc, je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu. Mais vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Le temps qu'en fait, je prenne une vraie équipe. Et que je vois comment pour m'organiser pour faire quelques semaines de tournage. Combien ça va me coûter aussi. Mais beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'essaie de me lancer quand même sur les vidéos YouTube. Mais les montages, s'il vous plaît, expliquez-moi parce que je sers. Quand je vous dis je sers pour les montages vidéo, c'est genre dans mon Mac, je mets toutes les vidéos, le disque dur il sature et du coup bah, je peux pas mettre toutes les vidéos que je veux. J'ai acheté un disque dur externe pour pouvoir mettre toutes mes vidéos de mon Osmo dedans. Mais le problème c'est que bah, j'arrive pas à les mettre dans l'application pour faire le montage. Bref, une galère de fou. Enfin, en ce moment, vraiment, tout est un peu en stand-by dans le sens où je suis en train de régler les petits problèmes de la maison et tout. J'aimerais être filmée, en fait, de quelqu'un d'extérieur parce que je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop compliqué de se filmer soi-même. Du coup, je sais que vous allez être... Enfin, j'essaie de trouver des solutions parce que je sais que vous allez être déçus vu que vous ne me voyez pas. Et en même temps, j'ai envie de filmer les autres. En même temps, je sais la prise de vue que moi, je veux. Donc, du coup, je suis toujours insatisfaite. Quand c'est quelqu'un qui filme, mais ils sont pas pros, donc je peux pas leur en vouloir, compliqué.